On vit l'enfer! On vit l'enfer! Philippe a échappé son café à on n'a pas le droit de dire ça! Noisette. On n'a pas le droit de dire ça! On n'a pas le droit de boire de café ni d'eau dans ce studio-là. Seigneur, c'est arrivé! Française. C'est enfin arrivé, je peux pas croire. Hey, ça sent la vanille française. Café, mon Dieu. C'est dégueulasse. On annule le show. Colin! Pourquoi c'est Barbara qui doit ramasser ça? Ben, parce que c'est une fille. Je suis en onde. Maudit cave. Hey, on est en panique, Olivier. Ce n'est pas le temps de critiquer. On est tous dans le même bateau. Je suis tellement désolé pour ça. Écoutez, c'est enfin arrivé. Ça aura pris 10 ans de radio. Puis c'est arrivé cette journée-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous êtes peut-être déstabilisé aujourd'hui. Là. Il se passe des choses. Il se passe tellement des choses. C'est assez l'enfer. Là, on est. C'est, comment il a dit ça, Pierre Fitzgibbon? Dévasté. Montréal est dévasté. Moi-même, j'ai eu de la difficulté à conduire. Merci beaucoup, Baba. On est tellement désolé. Des petits bruits de ASMR en arrière. Oui, je sais, c'est le fun. Ah, mon Dieu, Seigneur. Je m'en veux parce que c'est des milliers de dollars. Mais est-ce que ça va, interférer? Là? Il va-tu avoir quelque chose qui va se passer? J'espère que l'émission va suivre son cours normalement, comme d'habitude. Mais là, c'est là qu'on découvre que Jean-Philippe boit de la vanille française. Puis d'ailleurs, ça pue. Ça pue. Je vais le dire comme ça. Si, non, mais c'est vrai, ça fait. Tu sais, les parfums à la vanille, là. Ça lève le cœur. Jean Coutu, oui. Vous buvez pas du café, du bon café? OK, mais non. Là, il faut savoir une chose. Moi, je pensais qu'il faisait son café au siphon. Oui, c'est une fraude. C'est ça. Moi, j'ai toutes les machines à café possibles. Ben non. C'est qu'il faut savoir deux choses. Ici, à Radio-Canada, l'état des machines à café, c'est compliqué. Parce qu'il y a un règlement à l'intérieur de la bâtisse de Radio-Canada qui dit que... En fait, on ne comprend pas le règlement. Okay. Et il y a 26 machines à café dans la cuisine. Récemment, on s'en est fait enlever 20. Les 6 dernières qui restent, c'est celles qui sont permises, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on n'a quand même pas la crème de la crème. Donc, tant qu'à ne pas avoir la crème de la crème, allons-y full on Tim Hortons. Alors, on prend du café là, de base. Mais ça, c'est à la maison. C'est-à-dire au bureau. À la maison, je travaille sur différentes machines. Alors, ça, tout dépendant du feeling que j'ai. Par exemple, ce matin, j'avais envie d'étirer le café, mais j'avais pas trop le temps parce qu'il fallait que j'aille en studio. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un drip. Fait que là, c'est tout. On fait chauffer l'eau. On fait couler l'eau sur la machine, ça tombe. Mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous devez, comme ça, d'aller à vous me connaissez, d'une machine. Vous me connaissez, il faut que j'aille d'une machine à l'autre. C'est vrai. C'est comme ça que je suis fait. Et donc, j'ai besoin d'avoir une diversité de machines. Ça a toujours été ça, ma vie. J'ai besoin parfois d'un fil, parfois d'un drip, parfois d'un petit espresso, parfois d'un bon latte, parfois d'un petit vanille française. Vous, Olivier, comment ça va, vos affaires? Quel café je me suis fait un matin, moi? J'en ai pas fait. Moi non plus. Pourquoi? Non, moi non plus. Ben oui, mais faites-vous chauffer une bouilloire. On peut pas. Sur votre four. Mais vous n'êtes pas, pas à gaz. Hein? Ben moi, je suis à gaz. Ah, vous savez que c'est pas ça bien. Hein? Monde, ça a été dit dernièrement. Oui, ça a été dit. Vous, Olivier, avez-vous dormi? Je suis un petit peu fatigué parce que hier, je ne sais pas pourquoi, il y avait comme une ambiance d'apocalypse. Puis je me suis dit, on va boire du vin. Est-ce que c'est vrai? J'ai bu trop de vin hier soir. Est-ce que vous êtes sérieux? Très sérieux. Vous n'avez pas du vin chaud, là. C'est pour vous réchauffer. C'est très bon vin. Vous avez bu combien de vin? Une demi-bouteille. Là. Non, mais c'est un athlète. C'est comme ça, ces gens-là. Tout le temps. Jamais exagérer. Il ne peut jamais exagérer. Jamais. Je mangeais beaucoup de fromage aussi. J'ai de la misère à digérer. Un vrai Français, 20 fromages. Je ne peux pas faire chauffer mon spaghetti. J'avais pas d'électricité. Et moi, je peux vous dire que c'était l'apocalypse au Tim Hortons ce matin. Je le dis. Tout le monde, parce que c'était le seul endroit où on pouvait déjeuner, qui avait du café. Et tout le monde s'est ramassé là comme la misère. C'est vrai, ça? C'est le pauvre monde. C'est un endroit pour faire des rencontres aussi, Hugo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je sais pas, moi, mais... Des rencontres au Tim Hortons, il me semble que ça doit pas avoir... Non, mais tout le monde était obligé d'y aller, là. Oui. Parce que vous voyez bien, regardez juste Olivier qui n'a pas pris de café ce matin. Il a barbe un petit peu longue, il a le teint pâle. Je ne me suis pas lavé non plus. Premier réflexe, quand on a manqué de courant, je me suis fait couler un bon bain chaud. Je me suis dit, je vais vider ma tank à eau chaude. J'ai pris un bain, mais je ne me suis pas lavé. Ben voyons, vous n'êtes pas lavé comment? Idiot. Puis vous avez pas pensé à vos enfants, puis votre épouse. Ça range. <genre. rire> Attendez. Je cherche le chose d'alerte, là. Bougez pas. L'alerte. On a-tu une alerte? Si parce que j'ai plein de sons. C'est pas bien long, je vais essayer. Ça va être ça. Alors, c'est notre son d'alerte. Là. Le pont Champlain est fermé dans les deux directions. Ah, c'est ça! Qu'est-ce que je veux dire? C'est ça.
Ben c'est parce que non mais je quand ça vaudra la peine je vais vous raconter. Là on est comme c'est parce que c'est, ah, vous pensez, on n'est pas en nombre. Ah, vous pensez que ça vaut pas la peine ce bout là. Hey, cela dit, on a reçu des codes d'écoute aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de divulguer, mais laissez-moi vous dire une chose, c'est vrai que c'est important de parler en direct quand même parce oui, qu'on hein? est très écoutés en direct. Ah oui. Combien? Ah, ouais. On est genre beaucoup. OK. Oui, non. On n'a pas le droit de parler de chiffres. On voit le journaliste. On n'a pas le droit de parler de chiffres. Mais comment? On annonce que le pont Champlain est fermé, mais on est dans le prologue, là. Ben, on va l'annoncer il pour va vrai. Être ouvert tantôt. Ils veulent nous enfermer sur l'île de Montréal. Mais pourquoi qu'on sorte? Je l'ai dit pourquoi. Oh mon Dieu. Non, mais c'est ça. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Et quand on va être en ah, ben voyons! Mon Dieu, garder ces moments-là pour. Ça, ça me fait assez punchy. J'ai eu peur pour ma vie. Vrai. Ah, vous arrêtez? Oui. Oui. Mais non. Bon, on en parlera en ouverture. Bon, on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on a, on a envie de faire. Ça, ça me déprime un peu. On coupe, Jean-Philippe. On coupe. On coupe, mais on coupe dans quoi en même dans temps? Moi. Vous, un sujet, vous, aujourd'hui? Non, et pour vrai, je travaillais, puis j'ai manqué de me casser une hanche quand je suis rentrée hier vers 11h. Ah, mon Dieu, pasteur, juste casser une hanche, pas mal fini. Mais je savais pas du tout, je suis souple.